Hello. Everything should be online now. I'll be continuing Carthage. I will type that in the same time. But yeah, I'll be continuing Carthage photo in like 30 minutes. But first, some cinematic shot I'm working on. Et bonjour, bonjour. Je vais partager le lien et on sera bon. Partager le lien. YouTube et son interface merdique. Hop, voilà, copier. Et je poste tout ça dans un instant. Si Discord, je le réouvre, ce sera mieux. Et Facebook. Facebook Business, comme il l'appelle. Mais qui est aussi merdique que Facebook normal. Je suis salé ce matin. Hop. Putain, c'est vraiment mal foutu. Créer une publication. Et hop. Publish. Yes. Discord. Publish. Yes. Pourquoi tu fais des dessins? C'est pas des dés. Voyons, va falloir finir des phrases par contre. Ça va être compliqué sinon. Pourquoi pas des modèles 3D? Parce qu'il n'y a pas que des modèles 3D dans la réalisation d'un jeu vidéo. Tout simplement. Parce que modèle 3D en soi, enfin chaque chose, on ne fait pas que d'une chose quand on travaille sur un jeu vidéo et les lives ne sont absolument pas dédiés uniquement au modèle 3D, loin s'en faut. C'est juste cette série-là qui se concentre sur des parties plus 2D, qui sont ma foi un peu plus appréciables, je trouve. En bien des points. Après, si tu as besoin de contenu 3D, t'as environ. Je sais pas, c'est plus de 100 heures de live sur des modèles 3D que j'ai déjà fait. Puis c'est vrai que c'est souvent à force, que des modèles 3D, que des modèles 3D. L'intérêt d'un jeu vidéo, c'est d'être plus que ça. Hein. Du coup, je me concentre sur une partie qui est loin d'être simple pour autant. Parce qu'on parle de. On parle de modèles de. Enfin d'images 2D et Dieu sait si ça prend du temps aussi de faire des jeux en 2D. A fortiori, quand on veut avoir un truc un minimum animé, pas aussi animé que dans la série, mais un minimum animé, ça peut prendre un sacré bout de temps. Du coup, parce que c'est que je finis par prendre mes propres modèles 3D en référence pour les couleurs et tout, parce que bah, je me suis basé sur les couleurs de. Pour les palettes de couleurs, en fait, j'avais déjà pris celles de la série. Et j'ai remarqué que Ulrich était le seul à avoir des vrais yeux en amande dans la série, et qui n'était pas. Qui n'étaient pas des yeux triangulaires un peu. Sauf quand il les ferme, probablement. Faudra que je revérifie ça d'ailleurs, ce que je vais faire immédiatement. Yo. Dessins, ça va quoi dans le jeu? C'est ma question. Eh ben, as-tu déjà joué au jeu? Parce que normalement, les dessins, tu les vois quand tu joues au jeu. En l'occurrence, les cinématiques 2D que je fais ont définitivement besoin de dessins. Et les dessins n'apparaissent pas tout seuls. Des dessins, il y en a dans toutes les parties de l'interface où tu as de la 2D aussi également, où tu as la représentation des visages en 2D. Il y en a beaucoup. Et voilà, dans les dialogues, maintenant, au fur et à mesure, là, maintenant, tu vas avoir de plus en plus. Alors, il va y en avoir quelques-uns de portraits qui vont apparaître dans le chapitre 2 d'un 4DX, mais il y a une ciné, en gros, où il y a des portraits. C'est une sorte de test live auquel vous aurez droit, où vous aurez ça dans le chapitre 2, mais le but, c'est aussi d'étendre ça à tous les dialogues avec tous les persos, c'est-à-dire potentiellement environ. Sachant avec des expressions, c'est pas avec des variations d'expression, avec les changements de costume, ça veut dire environ 400 dessins. Sachant que un dessin prend environ 1 heure, ça fait 400 heures de travail minimum. Donc voilà, tu vois, c'est pas rien, hein, c'est des petits contenus qui prennent le temps. Ready for tomorrow's conference? It's not tomorrow actually, it's in July, not in
June? We are in June. Yeah, it's not in June, it's in July. So, no, otherwise I would be already today on a stand because on a desk in the cartoon fair because it's like 2 days and I'm having a stand a desk with the game for 2 days and I have 1 hour of conference like Sunday, but July, not June. I should have mentioned that. Je peux plus jouer depuis la 4.0. Bon, vraiment du mal. Mon PC a du mal à faire tourner, c'est pour ça que je... D'accord. Le contexte aide, du coup. À peine tu finis ton travail, tu fais ton deuxième travail qui est les ficelles en fait. Oui, en effet. Tu as pas peur de faire un burn-out? Bah écoute, je fais ça depuis 11 ans et je me gère suffisamment bien et je pense suffisamment bien discipliné. Du coup, non, je n'ai jamais fait de burn-out. Il y a évidemment des moments où j'ai envie de lâcher, où ça m'énerve, où ça m'ennuie, ou machin. Mais je pense que je dois avoir une discipline mentale suffisamment bien aiguisée. C'est un fait, hein. Apparemment, vu que j'ai pas fait de burn-out et que je bosse vraiment tout le temps dessus. Ouais. 400 heures, soit 11 semaines de boulot à 35 heures. Bah voilà. Voilà. C'est un exemple, hein. Un exemple parmi tant d'autres. Are you going to do a game like Quest Infinity? No, it's Quest of Infinity already exists. Why would I spend my time trying to redo something that a team of probably 20 or 40 already done and as good as they could? I won't try to do the same as them. It's stupid. There's no point. Well, I'm saying that, and at the same time, I'm doing cinematics for my game, like what people have been doing for the show, so yeah, it's not really relevant, but you get my point. It's, I mean, yeah, I won't do something. I especially, I'm not interested into something that would actually, what would actually do a normal company. You know, I'm doing the game that no company would ever do. Which is the whole seemingly boring part and uninteresting part and niche kind of game, you know, where it's like something they would say, why would you do that? The most interesting it to do is to do a Lyoko and stuff. Well, do that. I don't want to do it. It's way too complicated. It means Quest of Infinity. It's an action game, action adventure game. It has nothing to do with what am I doing? Of course, it would be perfect to have that into the game as a complement, you know, like a side game, which would, in a way, would have nothing to do with the other, because again, action game. But nope. I mean, multiplayer would be good too, but definitely not. Est-ce que tu n'as pas eu une sorte de rejet de sel à un moment en force de travailler dessus, comme une sorte de dégoût? Eh ben, en réalité, étonnamment, pas tant que ça. Peut-être parce que alors je me la suis pourtant beaucoup bouffé la série, mais en fait, j'ai toujours regardé la série d'un point de vue très analytique. Enfin, moi maintenant, c'est le problème, c'est que j'arrive plus à regarder quelque chose sans l'étudier en premier. C'est un peu le problème, c'est que tu perds la magie, tu sais, quand tu te mets à beaucoup étudier quelque chose et connaître quelque chose, ou à être dans un milieu particulier. Je suis pas dans le milieu du dessin animé, mais j'étudie énormément l'écriture, l'animation, les designs, les visuels, etc. Ce qui fait que non, je n'ai jamais été vraiment dégoûté, mais parce que je la consomme très souvent de manière différente. Là, en ce moment, je regarde des épisodes un peu pour me remettre en tête encore le scénario, la manière dont les personnages parlent, etc. Mais en fait, je regarde d'une manière très très différente et du coup, ben, j'arrive pas à m'en ennuyer. Donc voilà. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Après, sinon, j'ai juste peut-être beaucoup de résilience et en fait, en vrai, j'en ai beaucoup. Donc ça doit beaucoup aider. Avec les FSL, qui te prend. Qu'est-ce que. Qui te prend autant de temps? Est-ce que tu as du loisir à côté ou es-tu les ficelles comme un loisir? Ah bah il faut que ce soit un minimum. Si c'est pas un plaisir, je suis dans la merde. Hein. Alors c'est loin d'être un plaisir à longueur de temps. C'est un énorme passe-temps du coup, vu que ça prend tout mon temps.
Et en loisir, bah, en fait, l'IFSL, ça me permet créativement de m'éclater sur plein de trucs, en programmation, en art, enfin en dessin, en design, en game design, en événementiel, presque, j'oserais dire, en scénario, en écriture, en énormément de en audio même, au moins pour la partie son, etc. Donc en animation, 2D, 3D, en modélisation, 3D, en dessin, 2D, en motion graphics, en 2D. Bref, il y a en fait, moi l'intérêt, c'est que comme j'ai quasiment toutes les casquettes, ça me fait énormément de loisirs numériques. Après, à côté, bah, sinon, c'est toujours pareil, hein, j'aime bien regarder des séries, des films, lire des bouquins, j'essaye d'en lire au moins un à l'année. Et sinon, bah, ouais, j'aime bien la nature, j'aime bien sortir avec des gens, faire des vacances. Je fais des vacances déconnectées, beaucoup, c'est ça le truc. Thank you, Liberty. C'est beau, tu as en quelque sorte redécouvert celle d'une autre manière, tu revis celle d'une autre façon qu'un simple. Oui, absolument, absolument. Et en vrai, c'est. En réalité, celle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas expérimenté en tant que simple spectateur. C'est-à-dire qu'en vrai, alors, est-ce que je regarde, entre guillemets, pas celle pour le plaisir? C'est-à-dire que je regarde pour vraiment bah, pour étudier ce que j'ai à étudier, quoi. Donc, c'est particulier. Et ça me va tout à fait. Hein. C'est un plaisir. Touk. Mais regarder les choses avec un œil analytique, oui, c'est. Enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est regarder les choses différemment. C'est en réalité, enfin, moi, c'est, je veux dire, je pourrais aisément le regarder pendant des mois et des mois, parce qu'en fait, je m'arrêterai à chaque image, simplement pour étudier l'animation, pour voir la qualité du dessin. Si tu regardes par exemple la vidéo de Cell en faisant beaucoup d'arrêts sur image, tu sais, pour contempler un peu la qualité ou la non-qualité du dessin, c'est sous-traité en Inde, hein, il y a beaucoup d'intervallistes qui font un travail de moins bonne qualité parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont très mal payés, etc. ou tout ce qu'on veut, ou parce qu'ils n'ont pas les compétences. Mais rien que ça, en fait, moi ça me fait plaisir, quoi. À chaque fois, c'est un peu regarder une illustration et étudier comment elle a été faite. Enfin, il y a toujours de la matière. On parle, en fait, en soi, quand je regarde un truc, une série, un film, etc., je regarde le travail de centaines de personnes combinées en une image, une suite d'images ou autre. Et en fait, si tu t'intéresses au métier de toutes ces personnes, eh ben, t'as de la matière, en fait. T'as énormément de matière. Et c'est vachement cool. Je crois que les couleurs que j'ai prises en référence sont légèrement, en effet, différentes de ce qu'elles devraient être. Bon, c'est pas grave, détail. Tac. Faut que je vois, parce que là, on se base. C'est pas la gamme colorimétrique standard que j'avais pris en ref. Bon, après, les couleurs, elles changent un peu dans le show, mais j'essaye de prendre la couleur de base, et c'est vrai que. Ouais, celle-là, c'est pas la gamme normale. Ça risque d'être un peu compliqué. Bon, on verra. Par contre, j'ai un problème sur les traits. Hop là. Ouais. Ouais. Ça, c'est le problème, les couleurs de traits. Oui, c'est plus celle non qui mais pas les frames. Mais par exemple, tu as les scènes d'action dans celle. Je trouve ça vachement intéressant parce que celle, c'est pas une série incroyablement animée. Hein. On est d'accord, très loin de ça. Mais il y a des scènes d'action dans celle. Je trouve ça super kiffant parce que c'est tout à coup, t'as de la vraie, entre guillemets, de la vraie animation dans le sens où ils y mettent un peu plus d'efforts et de frames et d'anime. Et c'est, je trouve ça vachement rigolo de regarder comment ils ont animé le truc avec le style de celle, du coup, ce genre de choses. C'est une question basée sur il y a quelques années, quand tu avais plusieurs projets sur Codioco en plus du FSL, comment tu t'en sortais? J'ai encore d'autres projets à côté en vrai. Mais bah, je m'en sortais bien comme je m'en sors aujourd'hui, c'est juste que c'est quand je fais l'un, il faut que j'arrête quasiment l'autre. Maintenant j'évite parce qu'en fait l'IFSL j'ai quand même envie de la terminer, du coup j'évite de me relancer dans des longs projets. Il y a toujours des moments dans l'année où pendant 2 semaines, 1 mois, je me déconnecte de l'IFSL pour faire autre chose et ça vient naturellement. Donc ça, je le fais parfois.
Et bah du coup ça se passe, j'ai envie de dire, très bien. Mais c'est vrai que c'est pas des projets en général que je peux mener à terme du tout, parce que c'est moi, tous mes projets, c'est des projets quasiment sur le long terme qui demandent du temps, du perfectionnement, de l'investissement. J'ai beaucoup de mal à faire des petits projets. Je suis pas intéressé vraiment par les petits projets, sauf s'ils sont en groupe. Donc du coup parfois en vacances, je suis avec y a des vacances que je fais avec des gens qui sont assez créatifs et qui essayent de faire des petits jeux et tout. Et eux, avec eux, généralement j'essaye de faire un petit projet multi de temps à autre. Donc voilà. Mais sinon, ouais, non, beaucoup moins. Du coup, je voulais vérifier un truc que j'ai oublié. Ah oui, c'est. Alors, je vais regarder un tout petit peu la série. Je recheck un truc. Checking the color of line art of Ulrich. It's a bit complicated because the art, the line work is. It's supposed to be full dark in the show, but sometimes it's not. I'm not very sure how they do their process in the show. I mean, it's definitely not digital line art. The line art is paper, I'm pretty sure, in Colyoko. But yeah, I'm a bit confused by some of those parts. It's definitely supposed to be dark, but it's rarely as dark as that. That feels too dark. So I really don't know how they handle this.
Je revérifie s'il y avait des commandes. Quel âge j'ai? J'ai 30 ans cette année. Au secours. Je demande toujours du côté officiel que du coup c'est terminé. Ont-ils tout arrêté? Oui, ils ont tout. Oui et non, bah non, il n'y a pas oui et non. C'est la production. Alors oui et non. La production est totalement arrêtée. En effet, la compagnie originelle a fait faillite. Ça a été les droits ont été rachetés. À un moment, ils ont tenté l'infamant Colioco Evolution. Évidemment, ça s'est crashé. Donc du coup, oui, la production est arrêtée. Les détenteurs de droits et en tout cas tous ceux qui étaient les studios. Il y a plus de studios d'animation. Qui soit lié au truc, les acteurs, bah, ils n'y sont plus, certains, voilà, ont changé, etc. Donc du coup, voilà, c'est totalement arrêté. Il n'y a pas de raison que ça ressorte comme ça du jour au lendemain. Là, c'est juste les droits sont balancés à divers. Alors normalement, ça doit être encore Dargo et une autre boîte qui possède les droits. Ils les vendent de temps à autre, les droits de diffusion, à des diffuseurs. Donc c'est à Netflix ou à iTunes, etc. ou autre. Et ils ont un stagiaire qui s'occupe de poster les épisodes sur YouTube avec les mauvais titres et les mauvaises miniatures. Hein. Et voilà. Du coup, voilà, c'est comme tout. Enfin, les droits ne s'arrêtent pas. Hein, donc du coup, c'est de la même manière que tu as des séries qui ont été terminées il y a 20-30 ans et qui, bah, dont les droits sont toujours partagé entre des diffuseurs et revendu de temps à autre quoi. C'est pas, enfin, comme tout évidemment, et tout peut avoir un reboot et un machin, mais il y a aucune raison légitime qu'il y en ait un parce que bah voilà, le truc, le machin fait son temps, il a fonctionné comme il devait fonctionner, voilà. Donc non, il y a rien d'officiel qui est, il y a aucune compagnie activement détentrice des droits qui a montré un intérêt actif malgré l'existence de la communauté, mais et puis voilà. Puis c'est pas si grave, moi je trouve ça bien, ça m'arrange. Donc voilà. Après, je veux dire, c'est pas nouveau que c'est marrant, ça fait quand même, ça fait bientôt, c'est 10 ans peut-être. Il faut l'accepter à un moment. C'est bien, c'est bien que les choses elles se terminent aussi. Après, on les continue à notre manière, c'est ça qui est. Ça qui... Tu vois, même moi, j'essaye de. Je suis en mode zombie en réalité. C'est la partie de moi qui n'accepte pas. Non, en vrai, c'est même pas vrai parce que j'avais commencé. Colioco était encore en diffusion au moment où je bossais sur FSL. Du coup, c'est pas vraiment comme si j'étais en mode. C'est pas comme si j'avais commencé dans l'espoir de faire revivre la flamme. C'est pas du tout. Ça se base pas du tout sur ce ressenti. Bon allez, on va pas y passer 20 ans non plus sur Z-Colo. Bientôt que je reprenne Carthage, donc hop. Là on est bon. Idéalement, oui, ce que je voulais revoir. Alors je vais rapidement réouvrir. Un shot de la saison. Saison 2 par exemple. Le style a quand même bien évolué. C'est assez compliqué de se. Enfin, il faudrait que je sois un peu plus. Radical sur le choix du style en soi. Bon, j'ai déjà capté qu'il y a Ulrich avec les yeux un peu plus en amande, encore une fois, mais c'est même pas évident, c'est même pas tout le temps. Pour ça que c'est un peu chiant. Ouais, ce que je veux, c'est une couleur particulière. Fait, je me demande si c'est même pas un gris que je devrais utiliser dans ce genre de situation.
en termes de line art. Ouais, je vais me concentrer juste à faire des parties précises du line art en noir profond. Hop.
Oula, il y a du monde. Oh là là, ça a parlé beaucoup. Ta-ta-ta, territoire volcan, il arrive quand? Le troll. Je trouve ça bien que les fans fassent de la série, au moins certains de faire un truc qui nous plaît et qui est cohérent avec l'univers. Ouais, plutôt. Enfin, ça dépend. Cohérent, t'es sûr? Et les projets, ils sont pas très cohérents quand même avec le truc de base. Quelqu'un sait quelle aurait été la vraie fin de Kolyoko si le projet avait pas été arrêté? Clairement, enfin c'est la, c'est, alors c'est peut-être pas la fin qu'ils avaient entièrement envisagée, elle a été un peu accélérée, mais c'était la même, hein, faut pas, c'est ils ont vu combien, ils ont attaqué la saison 4, enfin la saison 4, ils savaient déjà que c'était la fin, enfin en soi, donc ils auraient pu rajouter des péripéties supplémentaires, mais très clairement le truc était identique. Si vous voir, c'est que la fin, c'est pas une fin si rushée que ça donne l'impression, mais pour moi, c'est, enfin personnellement, je vous dis, c'est totalement cohérent qu'on ait une fin comme elle est. Enfin, c'est Kolyoko, c'est jamais que tu fais un switch et un switch, c'est un switch pour allumer Super Calculator, un switch pour éteindre Xana. Et en soi, le fait que, bah, une fois que t'es trouvé le virus, ça se fait comme ça. On a même eu droit à la fin cliché, quand même, du colosse, qui pour le coup a été en plus appelé le colosse, mais littéralement du truc géant, le boss de fin géant. C'est la fin de Gravity Falls, c'est la fin de la Légende of Korra, c'est la fin de à peu près tout film de super méchant de comic book. Encore, on n'a pas eu de trou dans le ciel, donc ça va, mais voilà, c'est. C'est une vraie fin. Un retour de Cell aujourd'hui, je pense que ce serait une mauvaise idée. Et je confirme. Je pense que ce serait une mauvaise idée aussi. Je pense que si justement, regarde les Indestructibles 151 ans après, ça a bien marché. Ouais, mais le film. Ouais, mais les Indestructibles 2, malheureusement, il est pas bon. Il est pas bon. Et moi, ça me désole parce que j'aime beaucoup le premier. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Blabla, c'est elle, blabla, c'est le, blabla, regret, interview. Voilà. Il y a encore trop de mystères dans cette série qui n'ont pas été résolus. Franchement, je trouve pas. Le territoire du volcan, bah ça vient. Oui, ça vient de des jeux de la production des jeux officiels, tout simplement. Je trouve un peu cliché, mais. Bah disons que ça. Parce qu'en fait, là où. C'est. Je trouve très cliché, même, parce qu'en fait, il n'a rien de neutre. Ça fait territoire du grand méchant. Là où, ben, tous les autres territoires, ben, c'était. Enfin, c'est neutre, quoi. Carthage, c'est neutre. Mais ça peut être un lieu de danger, mais c'est neutre de base. Et. Alors, oui, évidemment, Xana l'aurait créé, donc. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait que Xana, en fait, il fait des trucs de. Il fait son territoire de grand méchant, quoi. Ça fait. Enfin, c'est pour le coup, moi je trouve que ça dessert totalement le propos. Le jeu, oui. Enfin, le territoire volcan, il peut être classe, mais pour moi, ça fait Dark Lore de 66, quoi. Ça n'a rien de. Justement, c'est pas fort. Et je pense, du coup, que personnellement, j'ai pas les infos, mais je supposerais qu'ils se sont basés sur cette idée de territoire volcan dans les jeux CL, en s'inspirant du design du Colosse, qui justement est aussi un design. Ça va, il est pas trop méchant, le méchant, mais le Colosse, en vrai, enfin, heureusement parce que sa tête, elle est assez neutre. Il pourrait très bien faire un. Le Colosse, si vous l'imaginez, il pourrait très bien faire un être tout à fait positif. Il est présenté comme un danger, mais en réalité, imaginez le truc, ça pourrait très bien faire, je sais pas moi, le grand sage de Lyoko, enfin tu vois, c'est un grand. Une créature qui ne serait pas malveillante. Alors oui, il a son bras qui fait un peu Resident Evil, enfin un peu violent, mais si on oublie la lame un peu avec les couleurs sang et tout, le reste, le visage du colosse. Et le fait qu'il soit très imposant n'en font pas un méchant de boss caricatural. Mais en tout cas, je pense qu'ils se sont inspirés du fait qu'il y a un côté un peu lave dans son corps pour le. Bah, et ça leur a inspiré de dire, ah bah tiens, on va faire un territoire volcan du méchant pas beau dans les jeux non officiels. Enfin, officiels, pardon. Voilà, ouais, c'est le territoire de Sauron, quoi. Ça fait vraiment. C'est pas subtil, quoi.
Moi, je trouve ça c'est un énorme manque de subtilité. À la limite, un OAV, ce serait intéressant. Oui, voilà, on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est ce qui est intéressant. C'est Roland. Enfin, je pense. Les gens les plus raisonnables, dont je fais partie. Mais ouais, dans ce qui paraît être le projet de celle le plus intéressant officiellement qu'on pourrait voir, ce serait un OAV, tout simplement. Voilà. Monsieur Propre de Resident Evil. Exactement. Oui, c'est ça, c'est le colosse. Une série spin-off sur Franz Hopper, etc. Après, le problème, c'est que maintenant, c'est beaucoup trop tard, en fait, pour faire ça. Ça a pas de. Ça. Alors, quoique, non, parfois, tu me diras, il y a des trucs qui sortent des années plus tard, des contenus supplémentaires qui arrivent. Mais là, ça fait quand même 10, 15 ans plus tard. Disons que la majorité des gens, ils se souviennent vaguement de Code Lyoko, mais comme étant un truc où il y a. Ouais, le générique, je m'en rappelle, et c'était trop bizarre, et voilà, et j'ai regardé ça quand j'étais petit, et j'adorais, mais généralement, les gens n'y connaissent rien à l'histoire, et voilà. Du coup, vu que le truc a marqué, mais que les gens ne se souviennent pas réellement, il y aurait un gros travail à faire pour rappeler ça à la mémoire des gens. Et du coup, ça me paraît pas valoir l'effort de production et le coût, sachant qu'en plus il faut ramener les acteurs pour ceux qui sont encore là. Faut avoir un studio d'anime qui soit formé pour animer ça. Pour qu'ils soient formés au style CL. En vrai, là, il n'y en a plus. On n'a plus de studio d'animation 2D. Ça veut dire qu'il faut former un staff entier. Et tu formes pas un staff entier juste pour un OAV 15 ans plus tard. Ça ne marche pas. En termes de business, c'est très mauvais. Du coup, il faut que ça s'inscrive dans une démarche très probablement beaucoup plus longue et beaucoup plus fructifiante que simplement ça. Donc voilà. Et on parle d'un OAV, hein, c'est pas un film qui est au cinéma, hein, ça c'est beaucoup trop, ça c'est trop, c'est trop casse-gueule. On parlerait d'un petit OAV Netflix par exemple. Et Netflix, ils ont pas. Netflix, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de gros budget sur les séries Netflix. C'est très rare, parfois, c'est quand ils payent des stars très, très cher, mais en vrai, Netflix c'est des petits budgets. Donc voilà, il y a. C'est le petit budget, par exemple, qui correspondrait pas pour un OAV de Code Lyoko de 1 heure, quoi. Voilà. Quand t'as fait un remake de la série, c'est pas une série des années 80, quoi. Alors oui, elle est en 4 tiers, c'est à peu près le seul défaut. Moi, je ne trouve absolument pas que c'est un défaut, c'est une caractéristique de la série d'être dans ce format-là. Et en vrai, j'aimerais beaucoup faire le jeu en format 4 tiers, mais je sais que tout le monde va gueuler. Mais à part ce défaut entre guillemets qui le limite un peu et qui fait qu'on a des cuts dégueulasses en 16/9e qui se baladent sur les sites de streaming. À part ça, il n'y a pas de raison de faire un remake. Je veux dire, la série elle tient encore très bien en termes. Enfin, on referait la série aujourd'hui, elle serait pas plus jolie, hein. Elle avait un très bon staff en termes artistiques. Alors, animation, elle pourrait être plus travaillée, mais encore une fois, c'est pas l'intérêt principal, tu regardes pas Code Lyoko pour son animation, même si elle passe plutôt bien. Aujourd'hui, je pense que si on avait un remake, on trouverait ça moche. Je pense qu'il le referait pas aussi bien que ça. Il faut vraiment s'en rendre compte, c'est la série, il y a un style et une patte et une anime 2D traditionnelle qui aujourd'hui est beaucoup trop chère, qui à l'époque, je pense, était déjà très chère. Il se sauvait parce que la série a très bien marché, ils ont très bien su vendre la série à l'international. Mais voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Je vous dis, moi je ne souhaite pas un remake parce que limite un upscale. Encore une fois, ça marche et les fans le font très bien au final, ça passe. Mais je demanderai pas plus, moi, hein. Vraiment pas plus, parce que. On serait pas bien. Et le format 4 tiers, ben, enfin, encore une fois, posez-vous la question. Moi, c'est une révélation que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas tellement évident. C'est du production design, c'est normal. Posez-vous la question, pourquoi toutes les salles, pourquoi les salles souterraines dans l'usine sont dans un format cubique et sont dans un format carré? Parce que ça correspond aux 4 tiers, ça correspond au ratio de la série, au format d'image.
Et ça marche bien mieux comme ça. Et le 4 tiers en soi, c'est pas pour rien qu'on a eu la version IMAX de Zack Snyder de Justice League en 4 tiers. C'est parce que le 4 tiers, c'est un autre format. Et un autre format, bah, ça a un rendu très différent. Ça a une impression différente. Moi, j'aimerais beaucoup faire toutes mes ciné en 4 tiers. Je sais qu'on va me faire chier avec ça. Et donc, bon, je le fais pas. Et j'essaye de travailler au 16e. Mais là, quand j'ai un plan comme ça, je suis désolé, mais entre ça et un plan comme ça, de Ulrich, pour moi celui-là fonctionne bien mieux. Le cadre met beaucoup plus en avant, centre beaucoup plus de place. Alors, je pourrais centrer le personnage dans 16e aussi, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend plus de place en hauteur quand il est dans un format 4 tiers comme ça, et ça marche beaucoup mieux. Vraiment. Les designs même des persos, très en hauteur, sont faits pour fonctionner dans un format, ça prend aussi énormément d'avantages. C'est pour ça que la patte artistique est très bonne, c'est qu'elle fonctionne d'autant plus pour moi dans un format 4 tiers. Donc voilà, c'est un peu c'est le crève-cœur. Voilà, moi sur FSL, le jeu il bug lorsque je démarre une partie. C'est triste, malheureusement, vu le manque d'informations sur le fameux bug, je ne pourrais t'aider. Tu laisses le choix entre 4 tiers et 16e. Mais bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que laisser le choix, ça veut dire que toute l'interface doit se redimensionner pour le 4 tiers et 16e. Ça veut dire que les décors doivent aussi fonctionner pour le 4 tiers et 16e. C'est-à-dire que les caméras doivent fonctionner pour le 4 tiers et 16e. C'est malheureusement pas aussi simple. Voilà. L'histoire pourrait sûrement être mieux rythmée. Ouais, bon, en soi, moi, quoi, du coup, j'aime bien pour ses défauts et ses avantages, donc je vois pas qu'elle soit particulièrement plus rythmée, j'aime bien ses fillers. Voilà. Et oui, bien sûr, enfin, les fans, ils font déjà des upscales en effet de qualité. La crappy 1080p qu'on ne peut que recommander de Navras, et ma foi, fort bien. In this video, you want to make Ulrich animation. It's a little cinematic from chapter 2, obviously. And there's this shot with just a head move of Ulrich. I'm doing those. I'm mostly talking also, so I don't actually go forward. So I will continue and stop talking for a minute because I'm supposed to advance a bit. Hop. But yeah. Yeah, it's a specific shot. From Ulrich. Of course, it's 2D, so it takes a lot of time, so I tend not to do a lot of shots, 2D shots. And it's especially because I need to have those 2D cinematics, as you might have seen in chapter 1, they are voiced, which means that either I had to have recorded dialogues with the official actors, which I did, but not for everyone. I did it for a few parts of Jeremy, a few parts of Aelita, a few parts of a lot of parts for France, Hopper, and some other surprises. But I didn't do, for example, any recordings with official voice actors, English and French, from Ulrich. So, for example, I don't have, or Yumi, for that matters. So all I have for them is recordings from the games, actually, because those are the only clean recordings without sounds, very, very clean one. Those are the only recordings we can use. So I even don't want to use them a lot. It's really, but when I have 2D cinematics and I maybe want a word or two, I will have to base myself on those. But my goal anyway, it's more to have 2D cinematics to showcase precise emotions. It's really the goal. 2D cinematics for me are really a way to emphasize the emotions of the character, which I don't want to do on the 3D models because it will never ever be the result I truly want. There's only 2D animation that can do that. So I try to focus just a little snippets, of that, and it's also a great way to remind
of the 2D origins of the show. So I like to do it this way. Took. Shadow in the Ice is so garage kid. Yeah. Boulot x4, 4 tiers. Mais vous pouvez me distraire, je vous en prie, posez vos questions, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Bon, vous balancez un débat sur CLE, je vous envoie chier, mais ce sera tout. Tap, plap, 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 plap. Hop.
Checking for the mouth. Mouth colors, actually. Oh, I can't find it. Let's reopen the references. 2D assets, those 2D assets are for 2D cinematics, as you can have them in chapter 1, actually, already. Those are logically very time-consuming work for, just a blink. But those are integral part of the story mode, having those little snippets of 2D animations. So it's very important for me to have them. And not to, reuse existing material from the show. Okay, so I will export those and go back to Cartage now. Doing my exports, love my exports, how I do an export. Export, export. And we will be back very soon. I'm finishing my exports. Very soon. Very, very soon. Exporting stuff again and again. It's very fun. Don't worry, soon you'll have the rest. This is my new album. Almost ready. Almost ready. And you know what? I've missed something, and I will redo one more drawing. Oh, that was nice. So yeah, just I realized I'm missing something, so I will have to fix it. Let's go back to the drawing board. Drawing board, and you will see I need eyes closed now. So actually, I wonder if Rick's eyes, when closed, are always those thin lines or not, because it might have it might change in the show. I'm not, and Rick has definitely quite different eyes from the others,
So I do wonder if actually those are different. So I'm checking a bit the show right now. Est-ce que les yeux de Ulrich sont différents lorsqu'il les ferme? Et c'est là que j'aurais dû prendre plus de références. Ulrich, Ulrich, Ulrich. J'observe, je cherche. Je cherche et je trouve, ou pas. Blablabla, ça parle, ça parle. C'est votre moment si vous voulez trouver Ulrich qui ferme les yeux. C'est le moment. Voilà. Un moment où Ulrich ferme les yeux. Je cherche dans l'espoir de trouver. Tristement. Et je ne trouve pas. Oula, my eyes. Not my eyes. My ears. Let's go for a simple approach. Exporting. Okay. That should do the trick. Should be fine. So I will close on that and go back to Carthage now.
And we are back with the boring but necessary part. It starts to be really boring to do that. I mean, it's cool and nice, but damn, this is boring as hell. Nevertheless, I have to do it, so let's not waste my time not doing it. Yes, I can waste my time not doing something that I need to do. As-tu considéré un live purement musical, tout chanter, je te sens inspiré. Malheureusement, on va éviter. On va éviter. C'est mieux pour ma santé mentale et le peu d'estime de soi que j'ai. Hop, moi vous me connaissez, si je me mets à parler, à chanter des conneries. Enfin, je veux dire, à dire des conneries, je peux le faire. Je peux tenir sur des heures et des heures. On va éviter de faire subir ça à Internet. Il n'a rien demandé. Internet est innocent. Internet, c'est une créature pure qui ne mérite pas qu'on s'attaque à elle. Oh là là. So many people. So many shadows. So much. I like how much precise I want to be, and like nobody will actually compare the two photos, which I hope, because if you do, you're scary. But I'm the scary one right now, just checking that the shadows are matching. This is frightening. A lot. Up. Doing something that is very repetitive all the time will result in getting bored with it. Well, that's
an accurate statement, but what should I do? What should I say more exactly when, AFSEL more or less has some of the most repetitive tasks in the world? I'm still doing them. Why? Why? What law of reality am I breaking right now? Because I'm probably breaking a few ones. Like, if you're bored for too long, you will quit. If you're bored for too long, you will just, jump from a roof or something. Whatever. So, yeah, I wonder. Well, to actually, you know what? To help into improving this discussion, I will add some numbers. So you will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah, that will be easier. If I ever need to talk about someone and, cause you're motivated. Yeah, maybe. But how? Who can be motivated for 11 years? Doesn't make any sense. One way to solve it is to make boring tasks fun, though one who come up with tasks is easier said than done. Yeah, I love this formulation at the end you've used. I am sim How one come up with that is easier said than done. Yeah. Yeah, it's, I mean that's the principle. Well, that's one of the core principle of how to enjoy your work. Your daily work. I mean, and your daily work must, if you can make your work tap into the your happy your you know your how do we say the. Not the fun part, but the part of the brain that likes fun, basically. If you can tap into that when you're working, well, you won't be working any day of your life. That's really the if you can make your brain
enjoy seeing. That's why a lot of HR like to talk about challenge. You know, you challenge yourself, and if it becomes a game for you, well, you're just coming every day to work to play in a way. Of course, that's the wonderful version, and you must keep in mind that it doesn't mean that everything will be fun. But that still mean though that many of your indeed repetitive tasks can be fun because you can try to be faster. You can try, you know, many do yourself some challenge around how you will approach your daily work. You can do it a bit differently. You can, you know, add the variations and stuff like that. So that I guess it definitely helps to have some playful state of mind. That's definitely something that brings a lot of joy in, or at least contentment in everyday's life, everybody's life too. I mean, I have one at Ubisoft in my daily work, and I have this one colleague that is literally a really like fun person to have, and that's really nice to have something, you know, so someone that brings you joy every day to be sure that it will be a great day just because you see that person that is always happy and happy to see you happy. So, you know, there's and always trying to see things on a fun way and the funny side of it all. That's really a mentality that is hard to have, but when you or someone else has it, don't let it go because that's really good vibes that everyone should enjoy. Up. It's so comic booky right now. Those very dark shadows.
One more. Fourth is done. Let's go to next one. Eight is okay. Six, we'll need some work. Est-ce que je viendrai à la Cartoon Fair? Oui, j'y étais invité. J'ai fait une conférence le dimanche et le samedi et le dimanche, j'y tiens un stand sur l'IFSL. They all look evil if you ask me. Yeah. So yeah. Yep. Cartoon Fair. All the win. Kihalahoy. Yenoso, je ne sais pas parler cette langue. We don't know this language. Sorry. But probably, yes, fine, thank you. I guess. I have no idea. Literally no idea. So let's get back to number six. What an evil look. Must be a bad boy. Oh, he actually already has his art shadows. Perfect. That was quick. Let's go to Macron, our dear old president here, French president, because I can only see Macron when I see that. I mean, really. I need to do a comparison, but really, this is Macron. You can't deny it. This is the same. Well, almost. Comparison in 3-1. Almost 3-1. This is the same for me. But well, just a personal thought. It will inspire me. Really, really. Oh là là. So much. Not at all. But so much. Not at all. Ah là là.
Go tester la recherche d'image inversée de Google pour savoir si ça reconnaît Macron. Mais tellement. Enfin, mec, vous voyez bien que le gars, il a fait l'ENA, quoi. Bon, après, si ça se trouve, Macron a pas fait l'ENA. Mais celui-là, si. Shadows, always more shadows. Never ending shadows. I guess after this character, I will do a quick break and I'll resume after that. Global surveillance, maybe. What was supposed to The purpose of Project Cartage, I don't think it would bring any good. Well, that's a good question. I mean, what we know, we know very little about it, to be honest. But we know the main principle, which is, yeah, related to surveillance, communication. Communication is, I guess, the only word we clearly have about it. So. It's linked to that, but as you can expect, like many project of this era, which was like pre-internet related, everything that was linked to informations in some way, or else. I mean, if it ended up being about spying enemy communications.
Definitely, it was related to that. And see you very soon.
Back again. I finish eating something and I'm almost there. Just 1 minute. Alors, on a le ice. Je crois qu'on doit avoir l'audio maintenant de ice. C'était en décalage. Alors, c'est peut-être un peu fort, j'ai l'impression que mes trucs sont un peu forts. Ouais, on a le ice normalement qui est retransmis en direct. Oh là là, Alors, je, ça me. quelle honte. Ça me paraît un peu fort, cela dit, donc je vais. Je sais pas. C'est peut-être que pour moi. De toute façon, je laisse les gens dire au secours, mes oreilles sont cramées. Bah, Mais je normalement. papote dans le vide. Salut, Od. Coucou. Oh. J'espère que oui, je détruis pas vos tympans. Ce serait bien. WB IMU. Ça veut dire quoi? Vous. Vous bleu. Non, je vois pas. Juste quand tu. Just got a notification of your stream and so I decided to pop in and say hi and much love from Finland. Thank you. Much love back from France. Wait, bene. Did I miss stuff? Almost back at work. Almost. C'était la pause déjeuner. C'était la pause déjeuner. Je mange, je suis sérieux, tout ça. Je viens de finir à manger aussi, ça me paraît. Gîte. Les gîtes, exactement. C'est marrant, j'ai plus le logo du Discord. Le logo du Discord. Dans le live. Oui, l'incrustation. Peut-être que tu la refasses. Je sais pas. De On va le vérifier. faire dans paramètres utilisateurs. J'ai le Streamlabs et même le stream. Bah non, mais de toute façon, Streamlabs, il faut qu'il y ait un abonnement ou un machin. Ouais, tu vas dans mode streamer, découvre le stream Discord. Dans les préférences. Ouais, préférences, mode streamer, et là tu as un lien vers découvre le stream de stream kit de Discord. Faut l'ouvrir sur Google Chrome pour qu'il marche. Oh putain, mais dans préférences de quoi? De Discord? Préférences utilis de ouais ouais de Discord. Préférences utilisateur, la petite roue dentée à côté des Ok. Après. mode streamer. Mode streamer. Ouais. Activer le Et mode là t'as streamer. Il était pas activé. alors c'est pas ça, enfin ça Ah bon? c'est pour pas qu'on voie ton ID. Ah oui, Et que non, ça bon, masque quelques trucs, c'est pas ça mais qui est c'est intéressant. au-dessus, t'as découvert le stream Le kit de Discord. stream kit de Discord, en effet. T'ouvres ça sur Google Chrome, du coup. Parce que sinon, ça n'a pas marché. Ah bon, c'est bon à Voilà. savoir. Moi, j'ai mis longtemps avant de capter que c'était ça. Mais après, c'est super bien foutu. Tu descends, tu vas sur OBS, connexion à Oh, Discord. attends une seconde, faut que je me connecte déjà à Discord sur Bug. Kono. Hop, scanner le QR code, blablabla. Tu profites Oui. de la nouvelle police de Discord. Exactement. Voilà, c'est fait. Et après? Après, tu descends, tu vas sur OBS, Mais où? normalement. Dans quoi? T'es sur Brand New Stream Kit dans ton URL? Non, ça m'a juste réouvert Discord. Ouais, alors attends, je Attends, vais donc je t'ouvrir. réouvre Discord. Je vais dans les modes Je t'ai remis neuf. streamer. Je réouvre le stream kit Discord. Cette fois-ci, je fais ouvrir Discord. Et bah, il me renvoie dans. Ah, c'est bon, là, il me renvoie avec une autre. Non, bah non, il me renvoie simplement dans une page Discord norm lambda en fait. Oui, qui s'appelle Brand New Stream Kit, non? Oui. En haut. Ah, mais je Voilà, clique bah en haut là tu sur ouvrir Discord. C'est pas ça qu'il faut que je fasse du coup. non 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 Ah oui.
Du coup, je descends, j'ai une intégration YouTube ou Descends. OBS, je suppose que... Ah, c'est... OBS normalement. Ouais, Install ouais, for ouais. OBS. Connexion unité 1, stream kit, install for OBS. Et Et c'est... après, tu choisis le serveur. Tu sélectionnes le channel. Alors, attends. On y arrive. I'm back soon to the work. Just 1 minute. Alors, attends. Faut que tu ailles Voilà, dans. j'ai le serveur, c'est bon. Ah, faut Maintenant, que tu je ailles dans. rajoute le channel. Alors, c'est Voice Widget par contre. Parce que statut widget, ça va être le. Je sais plus ce que c'est. Il faut en haut, tu vois, tu as statut, chat et voice. Alors, Et tu vas attends. dans Ah, voice. la statue. Non. Ah, voice, pardon, oui. Voilà. Tu changes ton Live nom. IMU. Et Show en dessous, tu as le speaking lien que tu mets comme un. T'as un petit lien sous la preview. S'appelle the... enfin Ok. Ouais, là je vais alors... qui Discord, tu mets ça dans une Blablabla, browser clac. source, c'est censé être bon. Ok, navigateur. Puis après tu peux choisir si c'est un enfin tu peux régler le truc C'est bon. visuellement. Got it. Tac tac Parfait. tac. Non, leur truc est plutôt bien là-dessus, je trouve. Oui. Oui, c'est très bien fait. Très très bien Faut fait. juste ça. Faut juste savoir où trouver quoi. Admirable. Ok. So, almost back. J'ai pas vu s'il y a des commentaires entre-temps. Peut-être pas. Tac tac tac. C'est Ok. bon, on me voit sur le stream. Wonderful. Full ball. Check. Et salut Roman. Coucou. Comment... Ne dérange pas. Tu. Pas de temps, Ah, rien compris. ouais. T'as marmonné dans ta barre, donc Marmonné c'est un problème. totalement là. Harbor If. test, coucou. Oui. Ouais, c'est mieux. Yep. If I read the change log right, chapter 3 is gonna be in the next update. Yes. You're reading right. So, let's get back to the work we had. Salut Pyros. Hello. Alors, ce bon vieux Hopper. Normalement, il ne devrait pas prendre trop longtemps. Je Ouais, tu commence rajoutes à... les ombres là. Oui, normalement, je j'ai à peu près la main là-dessus. Ça devrait se faire sans trop de soucis. Hop. Clac. S'ils n'ont pas trop fait... Ouais, ils n'ont pas l'air d'avoir fait trop de détails dans l'ensemble. Les gens disent que les persos sur la photo ont l'air de méchants. En vrai, celui qui a l'air le plus méchant, ça reste quand même Waldo. Je maintiens, c'est lui qui a les lunettes opaques. Ah, Franchement, tu trouves? bah. Ah, Après, c'est lui on peut le faire un traître de l'affaire. classement. Hein? C'est lui le traître de l'affaire. C'est lui qui veut tout saboter. Voilà. Ou qui voudra, enfin, C'est pas faux. Mais je pense qu'on peut faire un classement de ceux qui ont l'air les plus méchants. Et du coup, numéro 9 est quand même bien placé. vrai que le mec avec ses petites lunettes là, hein, avec la tête sur le côté, il a l'air sympa. Le 12. T'as envie de Bonjour, lui payer j'arrive. ce Il y a une sera toi photo? demain la première victime. Ouais, mais c'est ça, t'as l'impression qu'il passait par là. C'est souriez. On a besoin de quelqu'un en plus dans la photo. J'arrive. Elise, il a pas l'air content qu'on marche sur ses plates-bandes. C'est le livreur Uber Eats passé par là. C'est Il l'a mis ça. sur la route. En 1950, en 1900, Monsieur je sais plus. Goadat. Ouais. On 74. demande qu'est-ce qu'il fait là.
Assez, ouais. C'est génial. Par contre, pourquoi est-ce que ta photo est... Au niveau justement de l'œil de ce mec-là, elle est brisée en deux, là, ta photo d'origine. Bah C'est parce bizarre que c'est parce une que t'as... recomposition. Ah oui, ok. Je pensais qu'on la voyait en entier. C'est possible. Mais c'est parce que j'ai dû combiner d'autres morceaux de la photo en même temps, ouais. Pour ça. Ça donne un résultat un peu étrange. Hop. Qui est en train de déplacer un meuble en arrière-plan? Ouais, non, c'est moi, faut que j'en mette. C'est Ah. les travaux. Ça tape dans le mur. Original. Ça déplace les figurines. Tac. Je vais monter la scie. J'espère qu'on m'entend toujours. Ah bah oui, toi on t'entend, y a pas de souci. Ouais. Tu rends la photo plus tard qu'avec les ombres. Bah non, c'est juste pour faire la photo. Ouais. Si je fais quoi? Non, ça demande si tu veux rendre la photo plus dark avec les ombres, mais Ah je non, non, pense ouais. pas. Non, non, du tout, du tout. Enfin, plus dark. Est-ce que je veux rendre les ombres plus dark ou est-ce que je veux rendre la photo dark? La photo, visiblement. Bah, je Eh pense bien, pas. non. Non, non, je veux juste en effet avoir le même rendu, c'est tout. Hop. On me demande également si tu as une drawing tablette en anglais. I do have a drawing tablet, obviously. Otherwise, I would be fucked because yeah, that's more than necessary for this kind of work. Definitely. Mandatory tool. That's part of the numerous investments that are needed for this kind of long-term project. Anyway. Ouais, sa peinture, c'est pareil. Le 4 a l'air fourbe. Le 10 a l'air blasé. 10. Oui. Oui, 10. Ouais, ouais d'accord. C'est vrai que le 4 aussi, il a une bonne tête de... C'est bon, en plus, parce que j'ai un peu réinterprété son regard, parce qu'il est franchement pas clair sur le. En trait, le dessin de l'œil est franchement difficile à voir avec la résolution. Ouais. Donc j'essaie un peu de retrouver un semblant de neutralité. Mais ouais, c'est chaud. Hop. Le 8, t'as l'impression, il pose un peu en mode bonjour. Tu me regardes avec un Bonjour. air. C'est profil Tinder, c'est pour ça. Ouais, c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a un petit côté. C'est selfie, un peu le côté selfie. Ouais, c'est la petite tête un peu rentrée. C'est génial. Je suis gentil avec les enfants. Hop. Alors, par la tablette, on demande si c'est une Wacom Intuos ou une Cintiq. C'est une Cintiq, en anglais toujours. Cintiq. Ouais, en Ici, anglais. the Cintiq. Ici, the Cintiq. I had Intuos. Actually, it wasn't even Intuos. It was another brand of the constructor that doesn't exist anymore. But I used to have tablet before the Intuos existed. How old am I? Mais yeah, Cintiq. Definitely a Cintiq now nowadays. Some artists are okay with using other. When, I mean, they can afford a Cintiq, they still want to stay on other brands. I personally, not other brands, I mean another older, I mean not Cintiq, basically. But yeah, I would have a very hard time. I need to have the drawing below my eyes. It's very important for me. Une question également en français. J'ai pas la réponse. Enfin, une partie, mais pas totalement. Vient d'où la photo? Je sais qu'on la voit dans le générique, effectivement, enfin dans l'ending, mais est-ce qu'il y a Bien, d'autres moments? c'est une excellente réponse, car il n'y a pas d'autre moment dans la série
où l'on peut voir le moindre des documents qui sont visibles dans le générique. Car évidemment, il n'y a pas que cette photo, il y a des portraits de Hopper, des photos de Hopper et de sa femme. Bref, de nombreux trucs très backstory-like. Clairement. On te propose également de te dessiner discrètement en anglais dans la photo, de te cacher. Ouais bah, quelle bonne idée. Filme-moi un portrait, mais je pense qu'on pourra déjà en prendre un qui te ressemble dans la photo. Puis mets ton petit serpent, comme dans la room Azurix. Aïe aïe. Je veux ton petit serpent brodé sur une épaule, sur la chemise Non. d'une des personnes. Le Dommage. petit détail qui tue. Ou sur une cravate. En vrai, ce serait classe, hein, tu sais, petite ref toute discrète, un petit 15 là. Problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui porte de pins. Oui. Ça parle donc assez mal niveau discrétion. Ou alors sinon tu mets juste l'ombre du serpent parce qu'il est caché derrière une des personnes. Aïe aïe aïe. Prends la photo. C'est lui qui prend. Ça. Incroyable. J'imagine bien. Très souris. Twist. Hop. Hop. On dit également encore bravo pour ton travail. Hâte de voir le résultat quand la version sortira. Bonne continuation. Merci, c'est gentil. Hop. Allez, numéro 9, dont nous n'avons vraiment aucune idée de l'identité, est terminé. Passons donc à numéro 11. Si je le retrouve. Voilà. Hop, numéro 11. Je te laisse répondre également. Mmh. On demande en anglais. Alors, quand est-ce que tu comptes revenir sur Twitter? Enfin, will you come back to Twitter at any time? Alors, je sais pas ce que tu peux répondre. Twitter, jamais été beaucoup sur Twitter. Hein. En anglais, bien sûr. I never really been on Twitter. I have of course my Twitter account where I post stuff from time to time, but that's like I never been proactive on Twitter, really. Neither on Tumblr or else. I mean, I have account where I post a few stuff, but I mean, there's definitely not a community there for me, so not much. Hopper est vraiment le seul à avoir ses lunettes opaques. Hein. Tous les autres, Bah je vais plus dire que ça, mais. les intentions des autres sont toutes beaucoup plus claires. Hein. Sûrement qu'il a modèle lunettes solaires. Peut-être ça.
Ah, ça avait fait marrer, je me rappelle, il y avait une personne, il avait des lunettes, et quand il y avait trop d'UV, elle s'assombrissait de manière automatique. Et quand il rentrait en cours, ses lunettes, elles étaient toutes noires, et ça mettait un temps avant qu'elles se reviennent transparentes. Ça va donner en effet un look assez particulier. Never progressif, ça se fait de plus en plus. Ouais, très stylé comme d'air. C'est ce que t'as de plus en plus actuellement. Non, jamais vu, moi. Bon, j'y Ah connais ouais? pas Mais lunettes, grand-chose. donc c'est pas. Moi, j'en porte. Enfin, si, j'en porte là actuellement, mais c'est des lunettes jaunes. Bon. Des gunners. Ouais. Des yellow glasses, la classe. J'en ai qui se baladent. Hop. On est quasiment bon Vraiment beau avec celui-là. de voir cette photo en haute définition. C'est bizarre. Et pour l'avoir meilleure qualité, t'as check chez Crappie justement. Bien entendu. Moi, je me base sur la version de Crapil. Ah ouais, ça est si pixelisé que ça, du coup. Ah bah dans tous les cas, oui. Attends, j'ai zoomé pas mal, hein. Ça. Hop. Et hi, Kaz. Hello, Kaz. Not getting a second of rest with all the testing. Doing a tremendous work of beta testing for us.
guys would really need a statue, I guess. Just for all the impressive amount of work that has been done. I can only clap with my hand that are sadly used, so I won't, but clap clap for her, guys. For everything that has been done and that will help user not to encounter too many issues, because of course there's always stuff that keep getting out of the nest of bugs. We sadly can't be perfect, but there's a damn long, very long list of bugs that are killed thanks to CAS. So again, thank you. Up. If you want to know if chapter 2 deserves the wait, you can ask CAS, who will probably answer something like, yes, I hope. Which is the best thing I want to hear. It was worth it. That kind of stuff. Even though it's still not fully finished, actually. As you have seen, like the earlier shot I was working on, 2D shot, was definitely part of the cinematic and wasn't ready. So even the early testers are far from having the full, complete version before the end of the end. It must be, in any way, it must be interesting to have to see the evolution, that's for sure. So yeah, the photo is going good overall. I wish to be able to finish it in not in less than 1 hour, so I can go back to work on 4:2x and the trailer shots, because hopefully the trailer is still planned currently for next week. The version, although announced for the end of the month, can still slip out. I really don't know. I will probably have make my mind by when the trailer will be released, and when the trailer release, I will either confirm end of the month of June, which is, to be honest, quite risky, or I will go for July simply. But I would really like to have it before July, just on a for the sake of a technical level, because I have the cartoon fair after that. I want to work on the epic trailer, epic story trailer, which probably won't be ready for the cartoon fair. But I want to have that out of my mind, the whole 4:2x release and potentially the post release. I guess I will still be on the post-release really in July, but if I release it in June, I will be still on post-release during July. But I really wish to have the whole release stuff out of my mind in July, and not being concerned by that anymore, having that milestone reached. So I will do my best for that. I also have like a lot of side work, professional work, so this takes quite some time. And of course, if I spend my time on
unused stuff like this, which is absolutely not mandatory. This won't help, but again, this is the kind of things that sometimes I need to do. I can't be always just working on what is mandatory because there's a lot of stuff that end up being more important than we first expected it. We'll see, we'll see. The safe feature on the overall anyway is probably still the most dangerous feature that has the least testing yet done, and that but I guess in the end I will probably just release it for I mean it was already expected to release without all the features, without everything that is saved, as it wasn't planned for this cycle. I wish, and it will probably have like some warning when you save in 4 to 8, like not everything will be saved, this is experimental and stuff like that, and it will probably stay experimental for some cycles. But I still have some important part that I wish that saves, and that, you know, aren't fully working yet. One thing that I'm sure is that I don't want to, in any case, allow saving while there is a mission on Lyoko, because there's all the AI of enemies, monsters, and Xana going on, and saving that state and restoring that state is very, very complicated. Like you're in the midst of a battle, it's like impossible to reload in the midst of a battle. It's like awful. So yeah, the goal will never be about being able to save during a mission. The goal is to be able to save before, in between, have an autosave also for the story, because you don't decide in story when a mission starts, really. Well, in a way, not in the rest either, but I mean, in custom game you can also get caught by an attack of Xana, but you know, you should at least know that you are in a time frame where Xana will attack. So I mean, you have to be careful yourself to save at the right time, obviously. Or maybe I could even actually add an autosave right before a new attack happens, that kind of stuff. So this is a different consideration I have to do, because, but he, on the overall, it's quite sure that save system won't have some feature anyway, in any case. But for 2 weeks, there's also feature that in that case will need to be added at some point, but won't be in 4 to 8 yet. So I have to test that a lot for 4 to 8, and this is still something that can delay 4 to 8 quite a bit. So I don't know, we'll see. Hop.
question, puisque je vois que dans le chat, il y en a une remarque. Est-ce que tu penses qu'il est mieux qu'il fera un wallpaper disponible de cette image magnifique? Eh bien, pour les Patreons, oui. Pour le commun des mortels, pas tout de suite. Voilà, ce sera exclusif au Patreon pour l'instant, afin de les remercier de leur apport financier. Hop. La question était, enfin la question, la remarque était en anglais, donc je ne sais pas si nos amis. Ah, il fallait préciser. So no, not the picture won't be available directly for everyone. I will give it to the patrons. The HD version will be given to the patrons for as a thanks for the help, exclusively for some time, and then at some point later. I will sure give the wallpaper to everyone that wants it. But yeah. First, making it just a bit exclusive. Mais salut à toi, Lyoko 84. Que de gens, que de gens. Ouais. Avec une pépée de Carthage. Ça va, c'est quoi l'arena. C'est bien, c'est parfait. C'est bon. Les prérequis sont là. Évidemment. Puis j'en profite pour te demander comment va le site d'ailleurs, Ice. Notre merveilleux ifsl.org. Est-ce que ça avance? Est-ce que la fameuse 4.1x, c'est pour bientôt? Comment ça se passe? C'est pour bientôt, bah, comme dit, les articles là, pour cette version sont ready. En tout cas, ils sont ready, ils ont été. Approuvé par le grand conseil. Pas de grand conseil. Ça, c'est ce, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ouais, non, les articles, c'est bon. Ce qui va être long à faire, c'est les images potentiellement. Ah, ouais. Comme je te comprends. Sachant que je vais éviter de refaire un maximum, mais il y a quand même. Ouais, il y a quand même eu pas mal de. Petites modifications. Tu penses à quoi par exemple? Toutes les fenêtres liées au skid. Ah ouais? Déjà, il y a eu des changements. Ouais. Hello Joao Pesantos. Hello. Hello. Mais ouais, non, effectivement, bah, déjà il y a des nouvelles fenêtres, hein, que ce soit web. Je sais pas, ouais, nouvelle fenêtre de recherche, fenêtre de combat qui a été refaite de zéro, évidemment, ça va demander beaucoup trop de travail, ça aussi. J'avais grugé avec la 4.0x, en soi, c'est des screens 3.8 sur lesquels j'ai juste rajouté, tu sais, des petits traits en bas pour faire le timer en jaune, et on y voit que du feu.
Mais là, je vais pas pouvoir gruger, là, ça Ça ne va pas passe pas. marcher. Ah, ça, j'avais bien aimé mes petites régions, je fais oh, c'est bien, ça marche vachement bien. Disons. Mais là, ça va pas être possible. Donc, ouais, fenêtre combat, ça a demandé du boulot. Puis voilà, puis non, deux, trois trucs à modifier. Même si globalement, j'avais refait déjà pour. Par rapport à la toute première fois que je l'avais fait, j'avais fait en sorte de faire. Avant, je mettais le screen du terminal, ce qui est un peu la pire idée, puisque le numéro du terminal, bah, il change à chaque fois. Eh Par oui. exemple, un Wow, détail. au pire, tu peux l'effacer. Oui, mais bon, ça, c'est un truc que j'ai changé il y a longtemps maintenant. Il n'y a plus de D'accord. screen du terminal parce que ça sert pas à grand-chose, ça Oui, sert à. surtout, Les gens, ils ont. tu sais à quoi il ressemble en plus à un moment le terminal, quoi. Ça va. Pourquoi Ça. s'embêter à ce point? Bah après, tu as un Voilà. article sur le terminal. Évidemment. Évidemment. Qui est du coup ces images changées puisqu'il n'y a pas Ah d'image. bah, là, pour le coup, ouais. C'est un de mes articles préférés d'ailleurs, j'aime beaucoup le terminal. Faudra que je le relise à l'occasion, tu sais quoi? Tac. Bah, j'aime bien le terminal, il est sympa. Non, mais sinon, quoi, bah écoute, à part ça, du coup, là, comme on a dit, on est retourné sur le dev pur. Même si Ascray, il bosse sur d'autres trucs actuellement, toujours des trucs incroyables, pas sans rapport avec ça, mais des trucs dont on peut pas trop parler, D'accord. évidemment. Mais du coup, je suis un peu dépendant de lui. Je suis en train de corriger 2-3 trucs de mon côté, là, actuellement. La dépendance. Exactement. C'est ce mal, ce mal-être si important. Non, mais bon. Enfin, on le savait. Enfin, on le savait. On savait qu'au bout d'un moment, ça serait lié, mais. Mais bon. Mais je sais pas quand est-ce que le non, quand est-ce que le retard va se rattraper. Bah, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute façon, là. Je pense pas que d'ici la 4-2. Parce que si c'est fin du mois ou mois prochain, à voir. Même si bon, pour la cartoon, ce serait pas mal, mais voilà. Toujours pareil, ça file. Mais le retard, entre guillemets, de version, je pense qu'il va pouvoir se rattraper entre. Enfin, le retard, je veux dire, pas les anciennes versions, mais les retards qu'on a actuellement, donc 4.0x, Oui. 4.1. Ouais. Je pense que de toute façon, il sera rattrapé entre la 4.2 et Là, c'est la la 3. 4.3, quoi. Parce que là, du coup, comme dit, on va faire des modifs, histoire de rendre, même pour toi, pour les news, etc. Est-ce que c'est le 15-13 à cœur, hein, tu puisses Ouais. faire les news depuis là-bas et que ça se publie partout. C'est vrai que c'est possible, donc pourquoi s'en priver? C'est juste qu'il faut qu'on règle d'autres problèmes avant de pouvoir faire ça. Toujours des problèmes chiants. Bien sûr. Notamment des problèmes liés à Amazon, qui ne met pas à jour ses bibliothèques. Ça, c'est un truc indépendant de notre volonté, malheureusement. C'est sympathique. Tant qu'ils oui, Amazon. Tant qu'ils sortent pas une. En gros, c'est un problème de bibliothèque et tant qu'ils ont pas envie de la corriger, bah. Ah. Ah, on est en mode oui, Vous bah êtes écoutez les gars, pieds c'est poings quand vous liés. voulez. Ça. Je connais ce sentiment. C'est un peu. Ouais, c'est un peu ce que t'as avec Unity Unity. parfois. Ouais, souvent. Si souvent. Ouais. Là, les problèmes de build qui se font pas pour les testeurs, là, ça s'est enchaîné pendant 2 semaines. Ah, C'était joyeux. Ça fait toujours j'imagine. plaisir. Paye pour un service bien cher et on te nique. Ouais, attends, je suis con, on paye pas. Enfin, on paye pas. On paye pas les bibliothèques, quoi. L'avantage du web, c'est que tout est gratos. Ah bah Vraiment. souvent, ouais, c'est. On oublie trop souvent. C'est vraiment un des gros. Gros avantage du web là-dessus. Il n'y a que l'hébergement que tu dois payer au final. Souvent. Mais toutes les technos que tu utilises derrière, bah, les docs, les machins, bah tout est gratos, quoi. C'est bien ça. On te fait rarement payer le bout de code, quoi. C'est plutôt cool. Pourquoi utiliser des outils d'Amazon aussi? Bah parce que bon, on n'est pas Google, hein, on est que deux. Si on peut s'économiser un max de boulot tout en ayant des trucs qui sont assez performants, voilà quoi. C'est toujours pas, tu sais, c'est toujours pareil. Il y en a qui te diront Amazon c'est pas bien, puis tu vas avoir un autre mec qui va dire ah, mais si c'est bien, c'est Google ou machin. Enfin, C'est comme c'est Unreal contre Unity, quoi. exactement, c'est le même débat, ouais. C'est le même débat, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat. C'est ça,
Ils ont tous les deux leurs points forts, tous les deux leurs points faibles. Tous les deux, des moments, ils sont mieux que l'un que l'autre. Mais à l'arrivée, bah, les deux sont pas si mal que ça. Et... Bah, les deux se valent pour... J'ai l'impression d'entendre de vieux débats entre Pro Tools et Cubase. Oui, voilà, ça peut fonctionner aussi pour, je pense, pour les softs audio et tout. Enfin, tu peux très vite faire le parallèle, de toute façon, hein, dans ce genre de situation. C'est des outils et des histoires de « Ah, cet outil est mieux qu'un autre », mais... C'est ça. C'est un débat éternel. Hop. Tout outil, on peut faire une guerre, quel est le meilleur outil, mais enfin, à la fin, ce qui compte, c'est est-ce que ton outil est adapté à ce que tu cherches à faire. Eh bien, si oui. Si tu conviens et que tu es content avec, bah... Ouais, clairement. Hop. Toujours un expert qui dira non, regarde, mon outil il est mieux parce que. Parce que ça fait le café et que t'es content. C'est toujours sûr. Libre d'en prendre un autre. Mais chacun fait un peu ce qu'il veut du moment que ça marche. On est tous contents. Evie. Mais voilà, donc. Non, ça va. Bon, et puis ça fait toujours plaisir de voir des gens qui se servent justement de ça encore hier. Quelqu'un qui faisait un truc et ça fonctionnait pas. Enfin, tu sais, il s'était servi du site, alors après, il a lu en diagonale. Donc forcément, il a voilà. C'est ça, bon. Le problème, c'est que les gens, ils font comme dans le jeu. Ils lisent en diagonale les tutos et après, ils font pas. Bah bon, après, je n'en veux pas. Je ferai un peu pareil, à mon avis, à sa place, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis voilà, mais ça fait plaisir de voir que les gens commencent à... Certaines personnes commencent à prendre un peu l'habitude. Bah voilà quoi, d'utiliser ça, donc c'est cool. C'est cool. C'est quoi l'outil Amazon, un moteur, un IDE? Non, c'est pour un système d'authentification. Qu'on utilise. Enfin, après, on utilise Amazon pour l'hébergement. Que ça coûte rien du tout. Pour le coup. Amazon Cloud AWS, exactement. On est sponsor AWS. Ce qui nous permet de payer quelques centimes par mois pour l'hébergement, qui est ma foi fort agréable. Les ombres sur 14, les ombres sur 14. Chouf. Oh, t'arrives à voir le bout toi aussi là. T'en reste quoi, 3-4 hein. Et bien, plus que 2. Plus que 2. Numéro 14 et numéro 15. Bah, parfait. Je serai ensuite libéré de cette tâche ingrate. C'est vraiment très ingrat en fait comme travail. Littéralement. Huch. Il y a des ombres en particulier ? Oui, bah. Non, tout. C'est tout très ingrat. Mais c'est juste de reproduire un truc, quoi, donc franchement, part de créativité est quand même assez nulle. J'ai vu des sujets plus intéressants que ça. Faut pas le dire comme ça, faut juste dire que tu n'exploites pas son grand potentiel. Tac.
Emu, c'est un prix créatif, Lyoko 84. Donc. Parce que la question est donc, qu'est-ce que tu préfères, le code ou le graphisme? Je pense que la réponse est sans conteste le graphisme. Oui, mais je passe plus de temps à faire du code. Ouais. Voilà. Mais je suis avant tout un dessinateur avant d'être un programmeur. Du coup, sans équivoque, en effet, l'art. Donc j'adore faire du code quand ça bug pas, quoi. C'est un peu Ouais, ça. je pense que C'est c'est... vrai que c'est agréable, hein, on voit, de faire du code et de pas avoir de et de d'avancer tranquillement sans problème. C'est très satisfaisant. Malheureusement, le code, c'est rarement ça. Du coup, cela dit, intégrer toute la nouvelle sauvegarde, par exemple, quasiment, c'est un des rares trucs en code où j'ai changé tout le système d'enregistrement des fichiers et du premier coup, ça marchait. Et ça, c'est extrêmement rare. Genre, j'ai tout fait en un coup sans jamais lancer une seule fois la build. Et j'ai lancé, et du premier coup, zéro problème, le truc qui enregistre bien. Et là, après y avoir bossé bien 3-4 heures, c'était assez exceptionnel. C'est, je pense que ça ne réarrivera pas avant de sitôt. Puis Dieu sait si maintenant il y a d'autres bugs après qui peuvent arriver. Mais disons que le truc de base, en tout cas, en tant que tel, fonctionnait franchement incroyablement bien. Qui fait toujours plaisir, vous en conviendrez. Et bon, bonjour à toi, Kylian. Bah écoute, tout va bien, je pense, pour tout le monde ici. Quand ça live, généralement, c'est que ça va. Et si Enfin, ça ça va. va, ça va. Hop. Non. J'en aurai bientôt fini de toute façon avec ce monstre, cet hydre. Cet hydre à 15 têtes. Allez. Et si je ne m'abuse, le dernier, du coup. Ouais, ce sera le dernier, les autres étant bien prêts déjà. Du coup, finissons avec numéro 15. Regard, ma foi, fort requin. Shark-like. Alors, vous êtes deux sur le projet, est-ce que c'est open source? Alors non, il n'y a qu'Emu sur le projet. Je suis C'est le seul sur premier le à faire ça. projet et il est pas open source pour bien des raisons. La première étant que j'utilise des librairies propriétaires. Mais par contre, ICE, lui, est sur l'IFSL.org, du coup Et le là, site d'aide pour l'IFSL. mais on est deux et ce n'est pas open source non plus pour des raisons de sécurité, principalement. Il y a quand même des histoires de comptes de personnes derrière qui donnent des données personnelles. C'est pour ça que déjà, je dis, bon, on utilise Amazon, ça ne me semble pas être une information non plus rocambolesque, mais Non, ça surtout va. que, faut le savoir. Je ne dirai point plus car c'est mon partenaire qui gère plus ce genre de questions. Et lui, il sait ce qu'on pourrait dire et moi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà, juste pour des questions de sécurité. C'est tout. Et après, par contre, si tu prends sur le site en tant que tel, il y a beaucoup plus de personnes qui aident à la relecture, qui aident à la relecture, à la traduction. L'IFSL, c'est grand, donc il y a beaucoup de choses. Eh oui. En fait, il y a plus de gens qui officiellement bossent sur le site que de gens qui bossent sur l'FSL. Oui. Officiellement. Parce que même, oui, toi, en Enfin, net, quelques bêta-testeurs et... en direct en tout cas, ouais. Ouais. Moi, c'est plus des aides ponctuelles en fait.
C'est bah, pendant les phases de traduction, bah, j'ai les traducteurs. Pendant les phases d'early test, bah, j'ai des early testeurs. Mais après, toute la réal, c'est pour ma pomme. Ça qui est beau. Quasiment. Ouais. Bon, pour les musiques. Et pour des modèles additionnels de perso dans CADIC. Là, c'est là où j'ai de l'aide pour le coup, réalisation pure. En effet, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et où je n'ai pas de énormément de repasses particulières. Je prends le matériau tel quel, je fais des retours, puis après je prends le matériau tel quel et je l'inclus en jeu. Mais où je n'ai pas de. Je ne mets pas ma main directement dans le process. Je ne fais que des retours pour ça. Je commande et je fais des retours. Oui, t'inquiète, on respecte le RGPD, pas de problème. Bon, l'IFSL aussi recueille quelques données personnelles. Pas grand-chose, mais Tu as aussi un tu truc peux dans les demander. options. Ouais, dans les options. Toute façon, t'es toujours un peu obligé. Enfin, même un minimum, au bout d'un moment, bon, c'est. Ouais. On n'est pas non plus Google qui va aspirer tes données, quoi. C'est pas super utile, de toute façon. Non. Un des derniers jours où j'ai pu être là, c'était le fameux boule de kiwis qui remonte à plus de 3 ans. Ah oui, en effet, oui, le boule de Ça me kiwi. rappelle un truc. Ouais. Oui. Bah, c'était sur Odd, tout simplement. Ouais. Oui. C'était il y a beaucoup trop longtemps. Souvenir, Kiwi n'est souvenir. toujours pas dans le jeu, alors qu'il est. Breakdance avec le relou n'est toujours pas fait. Mais en même temps, soyons honnêtes, c'était pas le truc le plus prio. Alors qu'une photo de Carthage, c'est prio. C'est vrai. Un des derniers moments. Oui, et au fait, pourquoi tu utilises Photoshop et pas Illustrator? Pourquoi j'utiliserais Illustrator plus que Photoshop? C'est à peu près là une question, c'est du niveau de pourquoi tu utilises Unity et pas Unreal. Un peu simplement parce que je Ouais, préfère. encore. C'est moi Surtout Illustrator. que Photoshop est plus adapté Bon. au dessin comme tu le fais qu'un dessin bitmap et pas vectoriel, quoi. Moi je trouve, mais je suis sûr que quelqu'un qui est habitué au vectoriel dirait l'inverse. Du coup, bon bah. Oui, bien sûr, mais il fait du vectoriel. Toi, t'en Voilà. fais pas, là. Oui, voilà, j'ai aucune envie de faire du vectoriel. Je pense même pas que le dessin d'origine, d'ailleurs, je doute qu'il ait été fait en vectoriel, d'ailleurs. Non, non, non. Enfin, il Enfin. devait être en très haute qualité, hein, ça y est, pas de souci, mais. Non, vraiment, le Photoshop, c'est juste pour le dessin dans les logiciels Adobe, que Illustrator. Hop. Photoshop, c'est vraiment. C'est rigolo d'ailleurs quand je te vois l'utiliser ou quand je vois un graphiste l'utiliser, un vrai graphiste, j'ai envie de dire. Parce que moi, au boulot, enfin, en alternance, je l'utilise, mais pas du tout de la même manière. Ah bah c'est sûr que oui, ça doit être. C'est le grand écart. C'est marrant. Le grand décorage, surtout. Ah ouais, bah oui, toi, t'avais pu voir un peu. Non, mais c'est vrai que oui, Photoshop, t'as plein de manières d'utiliser pour le coup. Il y en a même qui s'en servent pour faire du maquettage de sites web, donc enfin, ou d'applications ou autre, quoi, alors que c'est pas du tout fait pour, Ouais, ils ont c'est quand même fait. vraiment pas fait pour sûr. Avant, il n'y avait que ça, donc bon, C'est ça, c'est un avant peu c'était mieux, quand mais. même le soft de ref. Et puis qu'ils ont fait InDesign, pas InDesign, XD, Oui, par Adobe XD. exemple. Et que tu as des logiciels comme Sketch ou Figma, bon, voilà. Plus adapté. Salut, ça va? Bah écoute, bonsoir à toi, Yuya. Ça va. Hop. Kiwi n'est pas dans le jeu, c'est honteux, mais il y sera un jour. Il y sera un jour. N'ayez crainte, j'adore Y a la Kiwi. Kiwi Update. Oui. Regarde. Oh Kiwi fera l'objet de live dédié. là là. Peut-être, je sais pas. Il va être très chiant. Il va être très chiant, Kiwi. À cause du rig, de l'anime, ça va être vraiment très relou. Mais je prendrai soin de lui donner en tout cas
tout le travail qu'il mérite, car c'est un personnage principal, presque, de CL. Il est majeur. Il était dans Garage Kids, donc il y a un moment, Ça ouais, va. il y a des choses qui se doivent d'être respectées. Il était dans Garage Kids et plus dans Code Evolution. Et il n'était plus dans. Donc ce qui prouve bien, hein, voilà, Parce que c'est un élément important. voilà, ça en dit long sur. Je pense que c'est un très bon exemple, voilà. Voilà. On n'a même plus besoin de débattre tellement ça prouve le problème. Mais voilà. Hop. Une petite idée pour toi, Ace, c'est d'implémenter le Kiwi Search sur le site FSL. Kiwi Search. Bah, ce serait la page de recherche, quoi. Cela dit, moi je dis Kiwi est déjà sur le site. Après, à vous de chercher, hein. Mais il y est déjà. En soi. Hop. Et bien voilà, le dernier effet. Last one done. Du coup, avec l'overlay, on est bon. Et on va terminer le live là-dessus, je pense. Parce que voilà, on a les tronches qui sont là. C'est très bien. Je pense que cette série de live sera continuée avec un ou deux autres trucs. Ce sera probablement. Je pense pas que ils auront lu. Enfin, le trailer sera sorti avant. Ils seront pas trop prio. Évidemment, si je fais pas le. Si je... Oui, il en manquait un. Et voilà, et voilà. Et on dit des choses, mais en fait, on oublie. On en oublie certains. Du coup, j'avais oublié ce brave monsieur. Du coup, rattrapons sans plus tarder cette erreur monumentale. En finissant ce brave personnage que nous voyons ici même. Quand même certains personnages qui congènent, on peut se demander s'ils sont encore en vie après le projet Carthage. Bah, s'ils sont jeunes, enfin, je veux dire, en soi, vu l'âge qu'ils ont dans les années 70, bah là, ils ont à peu près quasiment tous l'âge d'être encore vivants après. Enfin, les années 2000, 30 ans plus tard, la majorité, ça va, ils ont pas quand même l'air d'être morts, quoi. Enfin, je les intuiterais pas comme étant morts de vieillesse. L'esprit frappeur, quoi. Oui. J'ai remonté la 106, c'était arrêté, mais visiblement Ça a repris. énervé. Ouais. Il est pas mal, lui, avec son maquillage cyberpunk.
plante encore. Oh, je suis tristesse. Ne le sois point. On a une question de Lyoko84. Savez-vous s'il existe des modélisations de Lyoko en 3D qu'on puisse explorer? Point d'interrogation. Explorer ou exploiter? Explorer, je pense. À ma connaissance, bouf. Moyen. Dans les deux cas. Hop. Par celles qui ont été faites pour les jeux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est probablement le truc le plus intéressant que tu puisses faire avec cet univers, tellement il est vide. Ouais, c'est vrai, il y a tous les jeux DS, PS2, PSP. Ouais. Ah oui, aussi. Yann, pourquoi on voit pas tes deux. On voit pas ton image parce que YouTube bloque les liens dans le chat. Mais les questions, c'est dans certains images. Dans certaines images de dessins animés, vous trouvez pas que les couleurs utilisées rendent l'image agressive. Je parle de l'image. Ah oui, tu vois. L'image concrètement. Si on n'a pas un lien concret, ça va être difficile. La saturation, oui, de Lyoko à partir de la saison 2 est particulièrement agressive. Surtout dans le désert, par exemple. Après, ça dépend de la source que tu regardes. Il y a certaines sources, des épisodes sur YouTube, ou selon le. Ou certains qui sont refaits, etc., où la colorimétrie change et casse certaines scènes qui ne sont pas censées avoir cette colorimétrie en question. Bien, je pense qu'on est bon. Enfin, pas trop tôt. On aura bien attendu. Quoi? Il manque personne? Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Ah, c'est une sacrée pièce, hein. Hop, bien, bien. Ah bah, le rendu est vachement cool. C'est cool. Maintenant, il faudra que ça serve à quelque chose, mais ça, c'est une autre histoire. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Bon, il faudrait que je refasse le trait sur celui-là aussi un peu. Vu que c'était un import. Mais bon. Bien. Bon, et bien. On va se quitter là-dessus. Et je vais tous vous remercier pour votre présence. Moi, je vais retourner sur la 4DX. Le trailer est tutti quanti. Et je vous souhaite un bon week-end. Et voilà. Merci à tous. Bon week-end. Et à la prochaine. Thank you everyone. Going back to trailer and 4DX various works. See you next time. Au revoir. Merci à tous. Bye.